Non, c'est un match, je pense, compliqué où peut-être on n'a pas joué notre meilleur rugby. Les conditions c'était difficile. Je pense qu'on a eu, eux, ils ont très bien profité de nos erreurs et peut-être notre manque d'automatisme. Oui, c'est un match, c'est un jeu, mais bon, nous, franchement, on est compétiteurs, on n'aime pas perdre, on va jouer, je pense, la meilleure équipe d'Europe du moment. Et alors c'est un gros défi qui nous attend et on aimerait faire un bon match, surtout chez nous, parce qu'on avait soin, pour rentrer en confiance, pour pouvoir amener à la pratique un peu tout ce qu'on fait à l'entraînement en ce moment et aussi pour démontrer qu'on peut rivaliser contre eux. Ah, c'est une équipe très très complète et ils sont forts dans toutes les lignes. Je pense qu'ils sont des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Ils sont solides en conquête. Ils sont une défense très agressive qui monte très fort. C'est une équipe très complète. Oui, après les matchs aller, ça s'est joué dans des conditions particulières. Je pense que c'était juste après les attentats. Bon, moi j'étais pas, mais c'était, je pense, un match un peu particulier où peut-être les groupes avaient un peu la tête, l'esprit à autre chose quoi. Et bon, alors je pense qu'il faut laisser ça de passer, c'est passé. Bien sûr que ça a été un gros coup pour nous, mais bon, comme maintenant c'est un autre match, dans d'autres conditions, il faut, je pense, surtout se concentrer sur nous. Non, non, il n'y a pas trop d'explications. Peut-être que. Après, on a mal démarré la compétition et après, c'était un peu difficile de. On avait déjà la pression, peut-être qu'on n'a pas su gérer ces moments-là. Et avec en plus un joueur du championnat qui est très relevé, bon, c'est passé comme ça. Alors, franchement, je trouve pas trop d'explications et c'est dommage, mais bon, j'espère que ça nous servira pour le futur au moins. Non, 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 pas du tout. Ça serait respectueux de notre part de faire ça. On va jouer tous les matchs à fond. Il faut se concentrer match par match. Même s'il n'y a pas de jeu, on veut bien faire et progresser dans notre jeu contre une des meilleures équipes d'Europe. Alors, franchement, on a envie de faire un bon match chez nous avant de recevoir Pau, bien sûr.